Salut les amis, alors aujourd'hui on se retrouve, on va aller sur le coudon faire du gros technique. Aujourd'hui on a réussi à se caler avec les gars de Enduro VTT Toulon. Ils sont en train déjà de checker le vélo, ils vont nous faire le spectacle. Nous on va essayer de suivre et de souffrir derrière parce que ça va être chaud patate. J'en ai même sorti la dorsale, ça doit faire 2 ans qu'elle dort dans le garage. Allez, ça part tout de suite en vidéo. Allez, on est parti dans la station du coudon. Très longue montée, là on commence par les pistes, après ça sera par la route. On a bien pour une petite heure. Même en montée, ça envoie du lourd, hein, j'arrive pas à suivre. C'est moi le boulet de la sortie aujourd'hui, je pense. Mais bon, il en reste encore pas mal. On n'a pas encore là, on va choper le petit morceau de route pour nous monter jusqu'au sommet et la première descente. Allez, au milieu de la montée route, c'est cadeau, petit panorama. Je suis au bout de ma vie, j'ai pas descendu en dessous de 180 pulsations. Bon, je m'accroche, hein. Toujours sur la route, troisième partie là. On monte un peu plus haut chercher la descente. 5 km 70, 413 mètres de dénivelé. Bing, dans le cornet, c'est pas fini. Enfin, on se retrouve en haut et go pour la première descente en PLS. Putain, je suis obligé de m'arrêter pour les attendre, c'est déconné, moi je voulais continuer. Je suis les attendre, tant pis. Je suis en PLS les gars. En PLS, je suis mort. Enfin, après 550 mètres de dénivelé pour 8 km, on va attaquer ma première descente. Ou c'est la première descente qui va m'attaquer, je sais pas là, mais il va y avoir quelque chose. Allez, c'est parti. Trop fatigué. Ah, je sens que je vais subir. Ah, j'ai moins parlé que d'habitude là parce que franchement, faut que je me concentre là. Je suis explosé. On fait là. Bon. Ah, c'est tendu là.
tendu du string. Sa caméra vient de s'arrêter. Il est passé avec un pied par terre. Et promis, du technique, on en a. Oh putain, la bière! Elle m'a fait partir sur le côté. Allez, tant pis. C'est pas fait. Ça passe en plus. Hein. Ah, c'est que là, j'ai... Allez, je suis humble. Je mets les pieds par terre. Ah putain. Ah, je suis tendu. Hein. Allez, c'est reparti. Ça va encore pour l'instant. Ça ne glisse pas de ouf. Ça ne glisse pas de ouf. Normalement, ça ne glisse pas de ouf. Ouh, c'est bon. Petit sous-bois magnifique. Alors là, il va y avoir des roulants, si j'ai bien compris. Gagné. Bon, mais toujours bon dernier, même en descente. J'arrive même plus à monter quand on déconne. Oh, aïe aïe aïe. Bienvenue dans mon calvaire. Ah, je sais pas si ça descend, mais c'est un peu mieux. J'arrive à me mettre dedans, franchement, à récupérer un peu des watts et. Et surtout, à moins subir la descente. Parce que là, putain, pardon. Je vais rigoler en me regardant, les amis. Heureusement que j'ai pu faire les plans fixes qu'ils ont fait. Ils ont fait le show, les copains. Puis les mecs d'Enduro VTT Toulon, franchement, ils descendent très bien. Mais alors, ils montent encore mieux, les bâtards. Franchement, chapeau bas. Ils ont la caisse, hein, à tous les niveaux. Un jour peut-être je deviendrai comme ça. Merci monsieur, je suis le dernier. Un jour quand je serai grand, je veux faire du VTT comme eux. Allez, c'est reparti. Go, 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 go! Ça y est, c'est moi qui remets la pression. Ah, vous avez vu de suite quand c'est plus... Je suis plus à l'aise. Beaucoup plus à l'aise. Attention! Allez, c'est reparti! Voilà le copain Manu qui s'est pris une petite branche et il s'est bien bien ouvert la lèvre. On l'a soigné. Enfin, on s'est soigné et il y a un petit pansement histoire d'arriver jusqu'en bas, qu'il puisse couper et qu'il aille plus se faire mettre sans doute un beau petit point quoi. Bon rétablissement à toi. Nous, on continue, ou qu'on la roue avant les parties, on continue tranquillement. On va essayer de ne pas se tuer non plus. Anto, il est remonté voir ce qui se passait. Ça doit faire un moment qu'ils sont en bas. Et ouais, comme je vous avais dit, là on est dans de l'enduro. Et voilà, c'est glissant en plus de ce côté. Bien, bien glissant. On a quand même... vraiment des trails d'exception dans le sud. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est que du bon. Alors là,
c'est comme tout pareil, regardez la vitesse. Allez, c'est fini pour celle-là. Ouf. Rien. Regardez notre momie. Arrivé dans la voiture, je fais ça. Voilà, première descente. C'est quand travailler à coup de parc. Voilà ce qui arrive quand on me double. Je m'énerve un petit peu. Bon, je m'en excuse encore. Voilà. Ça fait deux tours. Ah, et ça remontouille un peu par là. Du beau single. Et on va aller vers le Rovès maintenant. Ça me bouchonne devant, il va falloir que je sorte les... non, je rigole. Bon, mais première descente terminée, comme vous avez pu le voir, elle était bien technique, avec des relances au milieu, tout ça. Un calvaire pour moi. Eux, ils se sont éclatés, regardez. Regardez la banane qu'ils ont. Bon, sauf El Manu, c'est plus une banane qu'il a. Belle balade qu'il avait. Ouais. Un beau petit signal. On pédale un petit peu. On va aller récupérer la prochaine descente. Alors apparemment, avec un peu de chance, ça devrait pas trop remonter. Ça fait tout mon bonheur, ça. Ça reste bien sympa en tout cas. Allez, ça pédale toujours en direction de là. La prochaine descente, toujours aussi sympa. Oh, bah ça redescend un peu, je sais pas. Ouais. Ça reste pas magnifique les amis. En fait, faut passer à droite et revenir sur la gauche. Ouais, remonte. Ça a remonté. J'ai failli, vous avez vu, c'est pas de ma faute. Allez, on pousse alors. Non, c'est pas encore de ma faute là. Là j'ai été gêné. Ah ouais, ça descend. Il m'a dit tranquille. Bon bâtard. Pas cette vitesse. Tout ça parce que j'ai peur. Non, mais la vitesse où il descend. Moi j'étais à l'arrêt. Allez les gars, soyez sexe sur la vidéo. Ouais, on sort les pecs. Ah merde. Regardez-moi ça les amis, c'est pas magnifique? Allez, ça y est. Allez, voilà. La vitesse, bordel de merde. Et on se laisse aller. Je sais pas si vous arrivez à voir la vue qu'on a sur la droite, mais c'est joli. Un petit peu moins caillouteuse. Ouh. Seul petit rocher qu'il y a, ils sont un petit peu glissants.
Oh, elle est bonne celle-ci. Un petit peu avant, il tient pas les masses. Oh. Ça donne, elle glisse vachement. Allez, après cette belle petite descente là, on repédale un petit peu. Je suis content, j'ai bien usé mes freins, ça sent la plaquette. C'est ce que j'utilise le plus sur le vélo. Regardez-moi comme si on montait encore un petit peu à pied, décidément. Ah, c'est musculaire qu'ils avancent pas là. Ah, c'est clair, ils font chier ces musculaires au milieu là, c'est déconné. Allez, je pense qu'on est parti là. C'est descendu. Tendu. C'est vraiment tendu. Franchement, aujourd'hui, je suis pas à l'aise. C'est là que je vois qu'il m'en manque sous le capot. J'ai le cul pratiquement sur la roue. Allez, c'est passé. Les épingles déjà, c'est pas mon truc. Mais en plus, quand tu comme ça, ça allait encore moins, ça passe. Ça va encore puer la plaquette. Allez, c'est reparti. Allez, démarche maintenant. C'était pas assez difficile maintenant. On va avoir des marches. C'est cadeau, c'est pour moi. Ah, rappelez-moi de dire à Anto que c'est bon, mais je le déteste quand même. En vrai, c'est du bon. C'est moi qui suis un peu limité. Ouais. Entrée. Ouh. J'ai failli m'en prendre une. Heureusement qu'il y avait l'arbre. Je suis allé me pencher dedans. Sans je le savais, j'étais pas assez à l'aise. J'ai pas assez gardé de vitesse. Et là-dedans, c'est mort quand tu gardes pas de vitesse. Je lâche que le frein avant, tu sais, de peur de passer par-dessus. Oh là là, c'est putain de bon. C'est putain de bon, je suis putain de stressé, mais c'est putain de bon. Moi, je regrette qu'un truc, c'est de ne pas avoir pris un semi-rigide. Oh sa mère. Oh sa mère la pute. Yes. Ouais ouais. Faut pas toucher l'avant. Moi je te dis pas la pente qu'il y a. Partout l'avant, partout l'avant, partout l'avant. Bien, bien.
arrêté comment cette descente? Hein? Oh putain! Encore de la belle descente là. Et tu laisses une petite trace dans le caleçon, tellement c'est pentu. Mais que du bonheur. Va falloir un peu plus pratiquer parce que tu vois, qui m'en manque. Hein. Allez, on est parti dans la remontade. Avec les chevaux sur le côté. Ah, on est reparti pour un petit moment en montée. Quoi. Tranquillou. Pour bien se finir. Allez, on est dans les derniers coups de cul là. Et croyez-moi qu'ils envoient du pâté. Avec la fatigue en plus. Dur, dur. Allez, ça pousse encore. J'ai pété comme un pop-corn. J'arrive même plus à remonter sur le vélo sur le plat. J'ai le moral, il a chuté. J'ai plus de jambes, j'ai plus rien. Je suis même plus en PLS, là je suis en réanimation directe. Oh quoi. Dur, dur. Là. Franchement, j'ai trouvé mes limites sur cette sortie. Là. Ça faisait longtemps que j'étais pas dans le dur comme ça. Et en montée, et en descente. Mais que du bonheur, hein. Franchement, sinon... Une belle sortie quand même. Ça montre qu'il faut s'entraîner malheureusement. Encore et encore. Allez, on va chercher la dernière descente. On devrait plus être très très loin. Je sais pas ce que ça va donner là parce que là franchement moi je suis plus du tout lucide. Alors on va y aller vraiment cool et puis si je peux pas je couperai par du plus tranquille, on va voir. Ici, celle de la citerne. On va pas se boiter. Pour l'instant ça va. La fatigue m'emmerde un peu. Je la connais. Je pensais la connaître mais non. Elle ne me dit rien. Je me laisse un petit peu surprendre par des petits passages. Mais c'est pas grave. Là, on va se mettre dans la genotte. Ouais. Ça c'est typique, tu vois, ils sont pas sympas, ils tombent pas dans la cam. Ça va? Ouais, moi c'est la règle. Oh putain, je me suis chié là alors que ça descend. Quel connard que je suis. J'ai fait pire là-haut. J'ai pas réussi. Ah, oh, je suis une merde. Oh, je suis une grosse merde. Putain, maintenant pour reprendre, là, c'est la merde. Je sais pas, j'ai bloqué alors que ça descendait. Si c'est des fois, c'est dans la tronche. Comment? Oh. Là c'est chaud, chaud patate les amis, c'est chaud, chaud patate. Oh, ça y est là, la fatigue, elle y est là. Allez, c'est presque fini là, ça devrait normalement. C'est quoi qui est tombé? Rien? J'ai cru voir tomber un truc. Ouh là là. Ça c'est de la bonne sortie de bourrin ça. J'aurais dû équiper en tour d'une caméra, vous seriez plus régalé. Ah, j'arrive pas à sauter, j'arrive pas à décoller, j'ai plus de force dans les bras. Ouh.
Bon ben voilà, petite sortie concoctée par Anto Terminé. Au top, au top. Ouais, franchement une très très belle sortie. M'a manqué un petit peu sous le capot physiquement et même techniquement. Surtout, merci Anto. Ça va un petit peu empêcher d'apprécier la fin de la fin de la sortie. Donc on leur fera, mais avec un petit peu plus de physique. En tout cas un régal. Nouvelle connaissance de Enduro VTT Toulon aussi. Au passage, super sympa, technique et en plus il monte bien. Voilà quoi. Bon, enfin, je vous dis un bon week-end et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!